pouvez me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, viens te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus. Viens être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Voilà, je dis à tout le monde shalom, bonjour pour ceux qui traversent le jour, bonsoir pour ceux qui sont déjà le soir, bien-aimés, bonne nuit hein, pour ceux-là qui sont déjà la nuit, mais je suis content, je sais que vous allez vous sacrifier quand même pour suivre cette belle émission que nous allons commencer. Je salue tout le monde qui est arrivé, Gloria, Lolita, Nadine, Sophia, Bozo, Excès Angoua, frère Pascal Delomé, Sophia, Jennifer Tinguy, pasteur Nono, tous ces autres qui venaient. Je vous salue tous au nom de notre glorieux Maître Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur de toutes choses, notre guide, notre champion. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission « Que la lumière soit ». L'émission du Saint-Évangile, évangile de la précision, et l'évangile de l'équilibre qui est la spiritualité et l'intelligence, l'évangile du redressement, ce qui nous permet, bien aimé, à ne pas enseigner les choses que les gens aiment entendre, mais plutôt enseigner les choses que les gens doivent quoi entendre. L'évangile, bien aimé, de la troisième dispensation, enseigné par le Saint-Esprit, celui qu'on appelle le Dieu, celui qu'on appelle l'homme sano. Bien aimé, je suis très, 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 très heureux de vous savoir avec moi et si nombreux. Vous savez, j'ai toujours dit, participer à cette émission Que la lumière soit, et c'est un privilège que Dieu nous fait. Et partager cette émission, c'est sauver une vie quelque part. Eux aussi, donner la réponse à beaucoup d'ignorance et des questions que les gens se posent. Il y a quelqu'un qui avait prié en disant « Dieu, Dieu, parlez-moi ». Au travers de cette émission, la personne peut recevoir sa réponse. Bien-aimé, n'hésitez pas surtout. Je salue tout le monde qui fait que cette émission, Que la lumière soit, atteigne tout le monde. C'est là qui partage dans des groupes qui sont dans leur compte. Que Dieu vous bénisse. Comme je dis aujourd'hui, j'ai parlé sur l'ingratitude à l'église France pour Christ d'Erroni. J'ai dit, bien-aimé, faisons du bien. Et Dieu n'oubliera jamais nos bienfaits. Continuez à permettre à beaucoup de gens d'être touchés par l'évangile. N'hésitez pas à partager des pareilles émissions sur vos comptes et aussi à partager dans des groupes qui sont dans vos comptes. Bien-aimés, prenez la peine, comme Sophia, Solange qui fait cela, de Nisha, de Jennifer, de Frida, de Evelyne Koulfa, je vois de Patricia Loutou, tous les faire, je vois de Lydie et Kumba les faire, bien-aimés. Mon épouse, moi-même aussi, fait cela et mes enfants. Bien-aimés, parce que nous voulons que tout le monde atteigne. Sans oublier aussi la chaîne EPV TV avec la maman, le pasteur Constant, notre maman Nadine aussi qui fait cela. Bien-aimés, je salue tout le monde qui fait. Je sais que le Seigneur il va récompenser. Nous arrivons à la fin de l'année. Tous, on veut que l'année prochaine soit une année exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que tu sèmes? Tu sèmes quoi? Bien-aimé, ce qui semble être des petites choses pour Dieu, ça paraît grand. Bien-aimé, d'ailleurs, si tu n'arrives pas à commencer à faire des petites choses, pourquoi attends-tu faire des grandes choses? Partager cette émission, ça ne te coûte rien, tu ne payes rien. Bien-aimé, mais ça sauve quelqu'un. Que Dieu vous bénisse, Blondine de la Fortune. Oh, le nom, c'est la Fortune. En tout cas, que Dieu te bénisse aussi. Partage cette émission. Vini Terra Nova, mon neveu, c'est la Suisse. Et tout le monde qui venait. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Nous avons un bon thème qu'on va développer tout à l'heure. Ça sera que l'introduction. Aujourd'hui, je vais m'introduire avec cela. J'ai pris Dieu sur Dieu levé. On va prendre 2 à 3 séances parlant de ce sujet et qui est un tabou. Un sujet tabou, un sujet bien aimé, qui fait polémique, et un sujet qui fait insulter, un sujet et qui diabolise les autres, et un sujet qui qualifie les autres de charnel, et un sujet qui traduit l'amour, et l'homme est celui qui est accroché de la terre, et qui on qualifie des personnes qui parlent de cela dans tout genre. Et tout genre, et tout genre. Alors,
L'homme sans nom m'a dit de parler de cela. Je n'hésite pas et je pense que si tu me donnes l'oreille, tu donnes l'oreille. Parce que le problème, c'est avoir l'oreille qui entend et l'œil qui voit. Nous sommes dans un grand océan, nous voulons attraper le poisson. Vous devez savoir que tout poisson n'a pas le starter. Le but de cet évangile, c'est de trouver le poisson qui a le starter pour répondre et à notre besoin et aux besoins du Christ. Alors que Dieu bénisse tout le monde et qui est arrivé. Mais avant que nous mangions, nous devons prendre ce qu'on prend tout le temps, l'apéritif. Bien-aimés, écoutez la chanson de l'album Le Retour et cet album puissant Le Retour avec la chanson Sala Ozonga. Je demande à Pasteur Constant de nous envoyer cela. Après, nous allons retourner dans notre plateau. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Jésus,
chanter. Voilà, de retour au plateau, bien-aimé, pour poursuivre notre enseignement et commencer déjà. Et sur ces beaux sujets que nous avons, bien-aimé, je disais à tout le monde de penser venir nous rejoindre à cette émission pour que tous ensemble, nous puissions manger ces bons repas. Cet évangile, nous mangeons Jésus ici. Si nous mangeons Jésus, nous le mangeons à la main, bien-aimé, à la main, je ne vais pas dire avec nous-mêmes, avec la main. Nous mangeons Jésus. Bien-aimés, ici, bien-aimés, nous déchirons, bien-aimés, l'animal qui est sudure pour faire cela, faire sortir à l'intérieur quelque chose de doux. Nous brisons les pains avant de pouvoir les partager à tous et à tout le monde. Et c'est le Saint-Évangile, l'Évangile de l'équilibre. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Nous allons nous introduire aujourd'hui parce que c'est l'introduction sur ces sujets et je reviendrai deux à trois fois parler sur cela. Je dis que le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui fait insulter, qui fait juger. C'est un sujet bien-aimé qui qualifie une personne de tout genre, de toute forme, on peut appeler l'argent. La question est, parce qu'on voit déjà le mot argent, et on pose la question aujourd'hui, l'argent est-il diabolique? L'argent est-il diabolique? Parce que l'argent est mal vu. Vous savez bien, bien aimé, dans notre milieu, surtout ecclésiastique, du moment où tu parles de l'argent, tu es taxé de tout. Je pense qu'il y en aura certains, peut-être, sans pourtant suivre l'émission, le fait qu'ils voient simplement mon argent, ils peuvent déjà commencer à me juger, à m'insulter, à disant que c'est n'importe quoi. Et en plus, ça tombe le jour où certaines fêtes, le Noël, disons que. Et d'autres se sont retrouvés en famille, tout cela. Et le peu qui pourrait suivre cette émission, je voudrais qu'après vous parveniez quand même à partager cela, à inviter vos amis, même juste après leur temps de réjouissance et de la fête, et qu'on sort de pouvoir plonger dans cette émission, jeter l'œil et donner aussi l'oreille pour écouter. Parce que jeter l'œil, c'est mieux de voir, mais c'est bien, mais c'est mieux plutôt de donner l'oreille pour écouter. Je salue tout le monde qui est arrivé. Excusez-moi un peu, la toux est là. On va faire avec quand même. On va faire avec. Je salue Mandar, Eric Kazanga, tout le monde qui est arrivé de Gerda, Lutondak. Oh là là, tout commence au moment où on veut s'introduire. Que Dieu nous fasse vraiment grâce pour que ça ne nous gêne pas tout au long de cet enseignement. L'argent est-il diabolique? L'argent est mal perçu.
Mais pourtant, c'est un outil, c'est un moyen par lequel beaucoup de gens ou tout le monde fait les échanges ici sur la terre. L'argent est mal interprété, surtout par des personnes entre guillemets spirituelles que nous sommes, nous, les pasteurs, les milieux ecclésiastiques. Oh là là, c'est dur pour nous aujourd'hui, parce que j'ai tous. Et ça commençait juste au moment où on veut commencer le sujet, mais que Dieu nous fasse grâce. Tout ça. Alors, je disais, surtout nous, dans notre milieu, la parole, dans les églises évangéliques, et aussi partout ailleurs. Et quand on parle de l'argent, tout le monde dit, waouh, il aime beaucoup l'argent, ce type. Oh là 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 là, quel genre de pasteur. Il voit que le matériel, il voit que les choses terrestres. Et surtout quand on aborde des sujets comme, bien aimé, aujourd'hui je parle comme ça, et tout ça, quand on aborde des sujets bien-aimés qui parlent aussi de la bénédiction, je dis, ah oui, ils veulent parler de l'argent. Parce que certains ont peut-être ce problème de comprendre certains mots. Certains mots, et des fois c'est difficile à certains. Et quand on parle peut-être de la bénédiction, et ils disent directement que non, là on parle de quoi? De l'argent. La bénédiction n'est pas synonyme de l'argent. La bénédiction, j'ai toujours donné ma définition. Permettez-moi, laissez-moi prendre dessus, boire quelque chose pour que on évite quand même le dérangement de la toux. Et la bénédiction, moi j'ai donné beaucoup de définitions sur cela. Je dis que la bénédiction, c'est un état complet, complet, de bien-être, quoi, mental, moral, physique, financier, spirituel, bien-aimé, matériel, en tous égards, et qu'on peut aussi répondre aux besoins des autres. C'est comme ça que j'ai défini un peu la bénédiction pour moi. Alors, mais il y a des gens qui ont déjà canalisé la bénédiction dans le côté finance. Bon, tant mieux, selon votre définition que vous avez. Mais, aujourd'hui, nous parlons pas du terme et bénédiction, mais nous voulons parler plus de ce terme, l'argent. L'argent. Partout, ça se parle, mais on fait comme si on n'aime pas ça, surtout dans notre milieu église. Et que ce soit le pasteur et qui parle de l'argent, et ceux qui ne parlent pas, nous tous, nous utilisons cela. Au point que ceux qui ont donné des enseignements, certains ont dit que non, l'argent est diabolique. D'autres ont dit, c'est satanique. Vous voyez, l'argent là est diabolique. Beaucoup en montrent et beaucoup utilisent et à présentant que l'argent est diabolique. Je peux prendre un billet, excusez-moi, c'est pas pour faire quoi la pub, mais au moins pour expliquer. Et ce billet, il y a des gens qui l'ont qualifié quoi de diabolique. Il y a de ceux-là, bien-aimés, qui qualifient de diabolique et de ceux-là, et qui parlent de ceux-là et qui sont aussi jugés comme de diaboliques. Que ceux-là qui parlent de l'argent et ceux qui ne parlent pas de l'argent, nous tous, nous utilisons et nous tous, nous avons cela dans nos poches. Et nous tous, bien-aimés, et nous travaillons pour, à la fin des comptes, on puisse toucher notre salaire. Et aujourd'hui, le salaire, vous savez, ce n'est plus matériel, c'est plus quoi? En argent. À l'époque, les échanges se faisaient par ce qu'on appelait le troc. Tu venais peut-être avec la poule, quelqu'un te donne une canne, ou tu donnais un animal, on te donnait peut-être un sac de semoule. Et c'était comme ça les trocs. Et à un moment, on a instauré le système de change par la monnaie, par l'argent et tout cela. Mais bien aimé, la problématique de l'argent vient où? Vient d'où? Il faut qu'on cherche à savoir. Est-ce que l'argent est-il diabolique? Si l'argent est diabolique, bien aimé, nous devons essayer un peu de comprendre qui était Christ sur la terre et comment Christ a fonctionné pour qu'il y ait des échanges entre les choses qui étaient sur la terre et ce que lui voulait en procurer. On va voir dans la Bible, bien aimé, que non, Christ s'est promené avec des apôtres et à côté il y avait des foules qui venaient suivre Jésus, mais et la foule et suivait Jésus de partout pour l'évangile, mais Christ s'est promené avec une caisse dont détenait la personne de qui, qu'on appelle qui? Judas. C'est Judas qui était chargé de cette caisse-là. Et vous le connaissez. Et quelqu'un me dira, à cause de cela, tu vois, puisqu'il était à côté de l'argent, et l'amour de l'argent a poussé Christ, et plutôt Judas, à pouvoir vendre Jésus. Tant mieux. Nous allons comprendre tout au long, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, nous faisons que l'introduction. Et je vais essayer de toucher quelqu'un avec ça, mais je vais nous amener petit à petit en profondeur. Parce que c'est une problématique qui qualifie, qui joue les églises et qui divise les églises. Même, je me suis étonné, bien aimé, de voir que les personnes qui font voir aux gens que
ils ne s'intéressent pas de l'argent et qui sont spirituels, mais et qui se divisent avec certains d'autres collaborateurs en disant que non, ah ouais, et ils mangeaient plus seul, ils faisaient tout lui seul. Mais toi, tu es spirituel, contacte-toi des choses qui sont quoi en haut. Je veux partir même de la Bible. Il y a des versets pour les êtres spirituels, trop spirituels, laisse-moi dire cela, trop spirituels, et qui disent des choses, bien aimé, peut-être qu'on ne comprend pas. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Christ tenait une quoi? Caisse d'écusseur. Il avait une caisse dans son parcours ministériel. Alors, la Bible nous dit quoi? Si l'argent est diabolique, bien aimé, il faut se poser des questions. Si l'argent est diabolique, c'est que Dieu, Jésus-Christ, on doit douter aussi de sa divinité. Parce que lui-même, il a dit dans les livres, dans les épîtres des Corinthiens que non, il n'y a aucune relation entre la lumière et quoi? Et les ténèbres. Suivez-moi. Et les ténèbres. Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Mais s'il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres, alors, si on dit que l'argent est diabolique, c'est-à-dire Christ a une caisse qui a l'argent, c'est que Christ fait relation avec les diables, c'est que Christ est aussi diabolique. Est-ce que vous comprenez cela? Je cherche à faire un syllogisme dans cette histoire et tout ça, et pour essayer un peu de nous amener, bien aimés, à comprendre est-ce que l'argent est-il quoi? Diabolique. L'argent est-il diabolique? On va lire ça. On va lire beaucoup de choses. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, si je ne m'abuse pas, à partir du verset 1, bien-aimé, parce qu'ici, à la lecture des explications, nous allons voir des versets qui sont soutenus par des personnes et qui disent non, 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 pas l'argent. Pas l'argent, pas l'argent. Vous savez, l'argent, c'est satanique. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est le diable. Parce que nous, on prie, mais on n'a pas besoin des choses terrestres, on va se fier aux choses célestes. Tout au long de cet enseignement, dans les trois séances ou deux ou trois séances que nous aurons, nous allons montrer ce que l'argent peut apporter et ce que l'argent ne peut pas apporter. Je veux tout montrer cela. Ce que l'argent peut apporter à un homme et ce que l'argent ne peut pas apporter à un homme. Ce que l'argent peut faire dans une société et ce que ça ne peut pas faire. Parce que l'argent est limité. Mais pourtant, il y a des versets qu'on va avoir ici et l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Nous le saurons. Et si ça ne fait pas le bonheur, ou c'est un élément et qui peut aussi stimuler le bonheur, on le saura. Et tout cela. Alors, les personnes qui ont mal compris peut-être les écritures, qui insultent facilement et qui ont simplement les langages faciles à insulter, à condamner et qui sont peut-être spirituels plus que la spiritualité elle-même. Ou, entre guillemets, moi je peux que les appeler les hypocrites qui sont en montrant aux autres comme s'ils sont spirituels, mais en réalité, ce sont des gens qui utilisent ces billets. Ce sont des gens et qui ont besoin d'argent et qui, du matin au soir, et quand vous le voyez faire cet été, peut-être en dehors de vous ou après vous, ces gens entrent quelque part en train de chercher un argent, qui prennent des téléphones, qui appellent de gauche à droite, aide-moi, donne-moi cela. Mais qui disent que non, oh non, moi l'argent, moi je ne travaille pas pour ça, moi je ne fais pas pour cela, moi j'entends les ciels. Alors le verset du ciel encore, on va lire. Il lui dit, si donc que vous êtes ressuscité avec Christ, ce sont des chapitres qui mettent la confusion et dans beaucoup de choses sur la terre ici par rapport à concernant ce qu'est l'argent, concernant les matériels, concernant les choses que nous avons trouvées sur la terre, qu'est-ce que nous en devons faire. Je pense que moi, en parlant de cela, d'autres disent que ça c'est là, un millier de soucis. On appelle peut-être un escroc, on dit voleur et tout cela. Alors, chercher le travail, comme une fois quelqu'un me dit, cherche le travail, arrête de rester du matin au soir, c'est vraiment enseigné pour voler l'argent des gens. Sans pourtant, vous savez, nous avons un peuple, nous avons des gens bien-aimés qui insultent sans pourtant savoir et connaître qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie. Mais on me dit directement des scots et des voleurs. Et ils ne savent même pas ce que j'apporte ou je n'apporte pas. Mais mon problème n'est pas là. Écoutez, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Vous voyez des choses comme ça. Recherchez des choses d'en haut. Ceux qui comprennent mal, parce que comme la Bible dit, recherchez les choses d'en haut, c'est que vous ne devez même plus utiliser les choses d'en bas. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne devez plus utiliser les choses d'en bas, ni regarder les choses d'en bas. Alors, je vais vous montrer les choses qui sèment la confusion. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont quoi sur la terre.
Écoutez ça. Et quand quelqu'un prend un tel verset, ou ces deux versets que je viens de lire, et sans l'aide de l'homme sans nom, sans l'aide du Saint-Esprit, pour avoir une interprétation claire, la personne s'appuie, bien-aimé, faisant une doctrine simplement à ces deux versets en disant que non, l'argent est diabolique. Nous qui sommes chrétiens, on ne doit plus se focaliser aux choses ici. On doit simplement nous concentrer aux choses qui sont en haut. Dans quel contexte la Bible parle de cela? Est-ce que devrions-nous nous négliger sur la terre pour attendre simplement les choses qui sont en haut? Ah, ça c'est une question. Est-ce que l'argent était diabolique? On doit plus l'utiliser. Mais tous ces gens qui condamnent l'argent, on le voit du matin au soir, chercher le travail. Utiliser l'argent, mais qui qualifie l'argent de diabolique? Ce qui est diabolique, un homme sacré ne doit pas toucher. Un homme qui manque de la sanctification doit complètement éviter cela. Doucement. Ça, un verset mal compris. Un autre verset mal compris, bien aimé. Un autre verset mal compris. Nous allons doucement. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17. 15 à 17. Nous voulons un peu, par la lumière des Écritures, amener les gens à savoir, est-ce que l'argent est diabolique? Nous devons chercher l'argent ou pas? Qu'est-ce que l'argent peut apporter? Est-ce que l'argent peut tout apporter? Oui ou non? On le saura dans ces deux à trois séances. Doucement aujourd'hui, je ne vais pas courir aujourd'hui. Je vais vraiment parler de cela. Ce qui peut aider beaucoup de gens. Écoutez, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, la Bible dit ceci. N'aimez pas le monde ni les choses et qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime, vous voyez, nous mettons à côté déjà le verbe aimer. Dans ce verbe aimer, nous pouvons faire sortir aussi un adjectif comme quoi amour. Vous comprenez cela, comme amour et tout cela. Il dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, on a bien dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise et qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. L'orgueil dû aux richesses, ça c'est ma réaction, dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. L'orgueil dû aux richesses. Et quand quelqu'un tombe à un tel verset, telle tradition attend dû aux richesses, cette personne dit, ah, vous voyez, l'homme, un véritable enfant de Dieu, ne doit pas se fier à la richesse. Donc l'argent, peut-être pour cette personne, dit directement, est diable. Jusque-là, moi, je n'ai pas répondu encore, hein. Pour dire que si l'argent est diabolique, oui ou non. Mais la seule chose, je dis, est-ce que l'argent est-il diabolique? Je voudrais que certains qui sont dans cet auditoire commencent déjà à répondre, si l'argent est diabolique, tu dis, l'argent est diabolique. Si, il n'est pas diabolique. Tu le dis aussi, c'est pas grave. Nous tous, nous cherchons à savoir si l'argent est diabolique. Je viens de donner deux chapitres différents. Et de tels chapitres, les gens qui y ont du mal à comprendre les Écritures et qui ne sont pas aidés par le Saint-Esprit, peuvent que soutenir et que nous ne pouvons pas et se focaliser. Un autre chapitre, et là je ne lis pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on parle aussi, et dans le livre des évangiles, qui dit quoi? Cherchez premièrement, le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand quelqu'un lit cela, surtout les spirituels, ils mettent beaucoup plus accent simplement, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il s'arrête, il coupe avec ça, avec ciseaux, et la Bible dit, et le reste vous sera donné. Quand on dit le reste vous sera donné, c'est ce qui est terrestre, ça sera quoi? Donné. Et si ça sera donné, c'est que j'imagine aussi la richesse, dans tout l'argent, on peut aussi le couper. Alors, est-ce qu'il y a-t-il la contradiction à beaucoup de choses et que nous faisons? Est-ce que sommes-nous véritablement dans la vérité et que nous disons la vérité aux fidèles ou aux peuples de Dieu? Alors, nous devons savoir d'abord d'où vient la problématique avant que nous nous mettons quoi? À lire la parole de qui? De Dieu. Est-ce qu'écoutez? La problématique de l'argent, bien-aimé, vient depuis la colonisation. L'argent et la richesse pour nous, ça a commencé à la colonisation. Et cet esprit de colons nous ont tous quoi? Hantés. Et cela continue même dans notre église. Je pense que ceux qui ont plus étudié que moi l'histoire même de l'Afrique, vous allez savoir qu'on a eu des sortes de colonisation en Afrique. On a eu la colonisation
bien-aimé, qui était une colonisation quoi, d'exploitation et une colonisation de peuplement. La colonisation du peuplement et la colonisation d'exploitation. Et ce qui sort de l'Afrique centrale, prenons comme le Congo et tout ça, le Congo, l'Angola et tout, le Congo Brazzaville, tout ça, bien-aimé, la Côte d'Ivoire, les pays surtout francophones et tout ça, et était plus la colonisation, bien-aimé, quoi, d'exploitation, où ces colons sont venus pour nous exploiter. Alors, si vous êtes des gens qui se documentent, qui rentrent bien-aimé dans les documents et qui sont des documents, des archives, des choses, vous allez trouver, il y a un certain roi qu'on appelle Léopold II. Léopold II a bien clarifié ce qu'on devait inculquer dans la pensée quoi, de l'homme noir que nous sommes. C'est ce qui est bien-aimé entre ces deux colonisations. Colonisation, d'exploitation et du peuplement, vous allez voir aussi que la mentalité de ces deux peuples est différente. Différente, ceux qui ont été la condition d'exploitation craignent l'argent et craignent la richesse et consort. Mais ceux qui ont été à la colonisation du peuplement, comme ces colons étaient venus habiter et rester avec ces peuples travailler, mais ceux-là ont un autre angle de choses, une autre façon de voir l'argent. Et ceux qui étaient dans la condition d'exploitation ont aussi une autre façon de voir l'argent. Et les discours de cette colonisation, d'exploitation, a été donné aussi dans, par Léopold II, surtout pour le Congo. Il dit aux prêtres, il dit aux pasteurs, qui devaient descendre en Afrique. Bien aimé, allez-y suivre ça à YouTube, tapez simplement quoi, Léopold II. Vous allez voir, et il y aura beaucoup de vidéos, et suivez bien. Il dit, quand vous allez partir là-bas, auprès de ces peuples noirs, les montrer Dieu, ils connaissent déjà Dieu, parce qu'ils prient Dieu. Alors prenez l'évangile, les écritures, transformez-les à notre intérêt. Il dit bien, transformez-les à notre intérêt, c'est que l'évangile est prié. Les écritures, et pire, si on va les transformer à leur intérêt, c'est que par là, le roi aussi reconnaît que les écritures sont de la parole de Dieu. Toute écriture de la Bible est inspirée. Bon, je ne suis pas dans ces débats avec ceux-là qui disent que non, il faut laisser les dieux des blancs, il faut laisser ceci, parce que la parole là, non, Léopold n'a pas ignoré les écritures. Il a dit, prenez les évangiles, parlez-les à notre intérêt. C'est que quoi? La quoi? L'interprétation. Le problème de l'interprétation ne doit pas être une interprétation donnée par l'esprit, mais doit être une interprétation de notre faveur. Dites à ces gens-là, empêchez-les pour que nous on s'enrichisse, le roi vous le dit. Enseignez-les qui errent les pauvres, car le royaume du ciel est à eux. Donc, quelle est la pensée de la pauvreté? D'avoir peur de la richesse, de l'argent, et montrez-les que non, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer dans un trou d'une aiguille. Et on a bien dit difficile, on n'a pas dit impossible. Bien aimé, il faut qu'on commence à comprendre des choses. Ça, dans le livre de Matthieu chapitre 19, la Bible dit cela. J'aimerais lire avec vous cela pour commencer à enlever, bien-aimés, des équivoques et qui restent à nous. C'est ce que l'Église aujourd'hui est beaucoup plus pauvre. À cause de cette pauvreté, bien-aimés, on est facilement quoi, séduit par la richesse des hommes politiques et des occultistes et nous faisons recours comme si que Dieu ne peut pas bénir. Or, la problématique de notre bénédiction réside dans notre mental. Parce qu'on nous a déjà travaillé, on nous a déjà, bien-aimés, quoi, empêché, bien-aimés, anéanti dans le mental et que ces choses ne sont pas bien. C'est ce que même dans nos églises, bien-aimés, du moment où tu parle de l'histoire comme l'argent, les gens te voient directement quoi? Voilà, encore un autre voleur. Parce que cette mentalité est générationnelle. Ça a commencé depuis nos ancêtres, depuis que Léopold II et les colons sont arrivés en Afrique, ont fait cela, nous ont exploité et nous ont montré que nous devons avoir peur de prendre des richesses et de faire ceci parce que nous devons chercher le royaume de Dieu. Cependant, et ils prenaient toutes ces richesses et ils nous faisaient peur. Et nous avons pensé que la bonne manière d'aller au ciel
de ne pas aimer toutes ces histoires-là, car heureux les pauvres. Ça, c'est parmi les béatitudes. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Et mais lui, le roi dit, dites-les heureux les pauvres, car le royaume des cieux. Il ciselle, bien aimé, il coupe les vexés pour simplement faire asseoir leur intérêt. Alors, des discours comme ça, c'est ainsi que je dis, bien aimé, même nous dans les églises, on est encore sous l'occupation de la colonisation, des colons dans nos mentales. On dit qu'on est libre, bien-aimé. Non, on n'est pas encore libre. Parce que quand on parle de l'argent, bien-aimé, tu deviens la cible de tout le monde dans les émissions et tu passeras dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on en fera même de cette émission peut-être un sujet de critique. Oh, bien-aimé, oui, c'est normal. Parce que nous avons un peuple, bien-aimé, qui parle d'un sujet, lorsque même s'il ne maîtrise pas, mais il aime juger, même s'il n'a pas vraiment des arguments à donner, mais il aime condamner. Mais au lieu d'en vérifier, au lieu de se documenter, de trouver la raison, le pourquoi, la cause, et bien aimé, qui a été la cause causante, excusez-moi, la tautologie, et de la cause causée de ce que nous sommes, bien aimé, on ne cherche pas cela. Écoutez cela. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, nous allons partir rapidement, parce que on est dans l'introduction, ne regrettez même pas, si on finit ou pas, on va revenir. Matthieu chapitre 19, je crois le verset 24. 19, on peut chercher. Le verset, voilà, 24. Matthieu 19, le verset avec la Bible dit, je vous le dis encore. Ou bien on commence à 23 pour finir à 24. Notez-moi ce verset. La Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous entendez ça? On dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le verset 23 nous dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Doucement. Et le 24 dit quoi? Je vous le dis encore. Il est difficile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et qui se met l'accent? Bien aimé, on commence maintenant à chercher à comprendre des mots. Je sais qu'il y a des gens très intelligents que moi et des intellectuels qui suivent cette émission et qui vont suivre même après, qui comprennent la lettre. Hein, ceux qui ont fait même la linguistique, ceux qui ont fait, bien aimé, la littérature. Ce sont des gens qui comprennent la lettre peut-être plus que moi. Écoutez ceci. Jésus évoque. Et des paroles comme ça, Léopold D a dit, dites à ces gens, à ces indigents, à ces noirs, et qui de leur montrer que non, c'est difficile d'aller au ciel si tu es riche. Et comme ça, ils auront peur de la richesse. Ils vont pas regarder la richesse. La pauvreté de l'Afrique, bien aimé, est une pauvreté d'abord mentale, avant d'être une pauvreté quoi, matérielle. Et donc, tout a commencé dans notre tête. Tout a commencé dans notre tête, je répète. Tout a commencé. Ils nous ont d'abord appauvris mentalement et ça continue aujourd'hui, bien aimé, matériellement et ça continue aussi dans spirituellement, bien aimé. Vous allez voir, même la sorcellerie africaine est sous-développée. Imaginez cela. La sorcellerie africaine est sous-développée à la sorcellerie quoi, occidentale. Même dans la sorcellerie, bien aimé, on est sous-développé. Laisse-moi vous utiliser ça. Pourquoi? Parce que le travail était tellement minutieusement fait dans notre pensée, dans notre mental. Et que, vous devez savoir que non, la réussite de développement, le tout de l'homme vient dans les psychiques de l'homme. Alors, ils ont travaillé notre être. Alors, il dit qu'il faut le dire, il est difficile. Oh, aujourd'hui, bien-aimé, si nous retournons dans la compréhension de ce verset, Christ n'a pas dit qu'il est impossible à un riche d'hériter le royaume de Dieu. Il faut bien mettre les choses. L'impossible, c'est le domaine de Dieu. Les difficiles des choses, bien aimé, l'homme peut résoudre. Quand on dit difficile, c'est qu'avec beaucoup de peine, tu peux résoudre cela. Avec beaucoup de peine, tu peux avoir accès à cette chose. Mais quand on dit impossible, c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour accéder. Or, Christ nous a donné aussi deux valeurs de choses. Pour que nous ouvrons l'impossible. La Bible d'abord dit que tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Vous comprenez cela? C'est que la foi peut nous donner l'accès à beaucoup de choses, même si je suis riche. Alors, quand on parle de la richesse,
c'est que on ne peut pas ignorer l'argent aussi à l'intérieur. Et l'argent, on appelle ça diabolique. Non, bien aimé. Partons maintenant, parce qu'on commence, parce qu'on a l'introduction, je commence à nous faire introduire, et la suite, la prochaine fois, on va aller encore en profondeur. Parce qu'on parle, Léopold II travaille. Notre problématique d'avoir peur d'argent, ça a commencé depuis la colonisation, et parce que les colons, les prédicateurs du départ. Bien aimé, on a quitté l'église catholique, on a quitté beaucoup de choses, mais nous sommes toujours avec cette sémence en nous. Il faut que beaucoup de gens soient d'abord libérés. Libéré de cette sémence. Vous ne voyez pas dans nos églises, bien-aimés. On appelle nos églises des ghettos. Allons-y auprès de ceux-là qui ont été colonisés par la colonisation des peuplements. Ils évoluent parce que pour eux, l'argent, ils ont notre conception. Les anglophones. Les pays anglophones étaient plus la colonisation du peuplement. Mais notre colonisation à nous des francophones, oh mon frère, ivoirien, camerounais, oh congolais, brazzaville, tout ça, voyons. Même partout chez les lusophones, on voit ça. Bien aimé, était une colonisation d'exploitation. Prendre nos richesses et nous empêcher à comprendre la valeur de ces choses-là. Et nous montrer que avoir beaucoup d'argent, avoir cela, ça va t'empêcher d'aller au ciel. Or, la Bible n'a pas dit que non, celui qui est riche n'héritera pas. La Bible dit qu'il est difficile. Parce que la richesse enorgueillit à beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis que tout au long de cet enseignement, et quand on fera même des suites, on va essayer de voir, est-ce que l'argent apporte tout, oui ou non, et ça donne le bonheur, oui ou non, on le verra. Mais on commence d'abord aujourd'hui à savoir, est-ce que l'argent est-il diabolique? Parce que si l'argent est diabolique, la Bible dit qu'il n'y a aucune relation entre Bélial et Christ. C'est que tout enfant de Dieu, et qui parle que l'argent est satanique, bien aimé, ne doit même pas utiliser même un simple billet d'argent, ne doit pas toucher. Parce que l'interdit, on ne touche pas. Vous vous souvenez dans les jardins, quand on a touché à l'interdit, Dieu s'est mis en colère. Or, Dieu lui-même, Jésus sur la terre, avait une caisse au point qu'il demandait même aux apôtres d'aller acheter à manger et pour qu'ils mangent. Vous vous souvenez, devant le puits de Jacob, devant la femme samaritaine. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu la multiplication des peuples, c'est que Jésus avait demandé qu'on aille, qu'on nourrisse ces peuples-là. Et tout cela. Vous vous souvenez, lorsqu'il y avait la situation de payer l'impôt et que Jésus avait demandé à Pierre de les prêcher un poisson et il y avait un stactère qui est comme une monnaie en échange, bien aimé, qui est sorti et Jésus a dit quoi? Vous vous souvenez quand Jésus a posé la question concernant l'effigie qui était sur la pièce de monnaie? Il a dit que ça sera, il a dit à César ce qui est à César. Dieu n'a jamais montré que l'argent est diabolique. Du moins, on y va. Quelqu'un me dira, et alors l'apôtre Paul a dit, on va lire. 1 Timothée chapitre 6. Le verset 10, c'est aussi un des versets et qui fait appuyer les gens qui diabolisent aussi l'argent et qui veulent nous faire comprendre que non. Bien-aimé, quand on parle de quitter cette église-là, quitter ces gens-là, bien-aimé, nous avons tous besoin. Bien-aimé, nous vivons dans un monde, tu ne peux rien acheter. Acheter même un vêtement, payer même ton loyer, faites tout, bien-aimé, ça nécessite quoi? Quelque chose d'échange. Ce qui est la monnaie d'échange aujourd'hui, c'est ces billets. C'est ces billets, c'est l'argent qui est la monnaie quoi, de change. Bien aimé, il faut le savoir. Alors écoutez-moi bien. Le verset 10, la Bible dit l'amour de l'argent. Nous allons faire sortir des choses. Déjà, on vient de faire sortir, première chose qu'on avait sorti, difficile à un riche. Notez-moi ça. Un, difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Ça, c'est la première problématique qu'on doit éclaircir aux gens. On n'a pas dit impossible. On a dit difficile. J'ai dit les choses difficiles, c'est dans les domaines de l'homme. L'homme a la solution sur les choses quoi? Difficiles. Les domaines d'impossible, c'est les domaines de la divinité. Où, bien aimé, l'homme se limite, où ça demande une capacité surnaturelle pour donner suite à quelque chose qui n'est pas faisable. Ça, c'est le domaine de la spiritualité. Nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile de l'intelligence et de la spiritualité. Alors, maintenant, deuxième problématique, deuxième problème qu'on va voir ici, c'est le verset de 1 Timothée 6, le verset 10. La Bible dit ceci, « L'amour de l'argent est en effet la racine de tout le monde. » Vous comprenez cela? L'amour de l'argent, vous parlons doucement, l'amour de l'argent est en effet à la racine de tout le monde, de tous les problèmes. Hein, on dit ça. Tous les mots, tous les problèmes et toutes choses que nous voyons sur la terre, l'amour de l'argent.
à s'élivant. La Bible dit en s'élivant, certains se sont égarés. On a dit en s'élivant, certains se sont égarés loin de la foi. Et se sont infligés eux-mêmes quoi? Bien des tourments. Vous comprenez cela? Alors, en s'élivant. Est-ce qu'en s'élivant, en cherchant l'argent ou en quoi? On va encore aider la compréhension. Mais ce qui nous tue, c'est la compréhension. Je dis des choses détruisent l'humanité, c'est ce qu'on dit dans le Saint-Évangile. La mauvaise interprétation et la mauvaise quoi? Compréhension. Mais quand tu ne comprends pas, tais-toi. Hein? Est-ce que tu comprends? Je ne parle pas mal à quelqu'un. Tais-toi. Demande même en coulisses. Fais comme même Nicodème. Viens en secret, pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, être docteur de la loi ne te donne pas le monopole de la compréhension. On peut être limité. Mais il y a peut-être la portion de cette compréhension auprès de quelqu'un. Vas-y doucement. Pose la question. Ou demande à ces gens, bien aimé, est-ce que pasteur, vous ne pouvez pas nous faire des émissions pareilles pour nous faire comprendre que des condamnés, ah, vous avez entendu, en s'y livrant, certains se sont égarés. Tu vas t'égarer si tu parles de l'argent. Non, la Bible n'a pas dit ça, bien aimé, doucement. La Bible, est-ce qu'elle n'a s'est vexée? Qu'est-ce qui est un problème d'abord? Est-ce que c'est l'argent ou l'amour de l'argent? Ah! Vous voyez maintenant. La Bible a bien expliqué. Le problème ici, ce n'est pas l'argent. Mais le problème, c'est ce qui vient avant l'argent. C'est-à-dire, on dit quoi? L'amour. On a dit l'amour de l'argent. En s'y livrant quoi? À l'argent, non. En s'y livrant à cet amour-là. À cet amour-là. C'est ce qui, certains se sont égarés loin de la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est garé. L'amour de l'argent. Bien aimé, et toi qui diabolises l'argent, je pense que tu travailles. Oh non, si tu ne travailles pas, bien aimé, tu reçois des dons. Ou tu reçois des dons, ou tu attends tes membres ou des amis qu'on sort de te donner. Et tu as des vêtements que tu portes, il y a des choses que tu achètes, même la baguette, tu utilises l'argent. Mais est-ce que l'utilisation de l'argent est. Ça veut dire l'amour de l'argent. Est-ce que avoir beaucoup d'argent, ça veut dire l'amour de l'argent? Est-ce que parler de l'argent, ça veut dire l'amour de l'argent? Est-ce qu'on est diabolique ou pas? Non. La diabolisation où la Bible nous montre vient du moment où, bien aimé, on commence à aimer, à avoir l'amour de l'argent. La problématique dans ces versets, il faut qu'on éclaircisse des choses pour que les chrétiens comprennent. Bien-aimés, puisqu'on est déjà codifié par les enseignements de Léopold II et par ses prédicateurs de l'époque, les prêcheurs qui étaient venus nous enseigner, bien qu'on soit disant, entre guillemets, on est devenu l'église des réveils. Non. Voilà pourquoi, à un moment, je peux donner raison aux gens qui disent, même aux combattants, l'église des sommeils. On est en sommeil de beaucoup de choses. On est en sommeil de beaucoup de choses. On n'est pas encore réveillé. Bien, mais il faut qu'il y ait un total réveil. Un total réveil. Un total réveil. Eh bien aimé, quand je dis un total, totalité, laisse-moi parler ici. Bien aimé, réveille des choses. Bien aimé, il faut qu'on réveille les gens. La Bible dit l'amour de l'argent. Et quand on parle de l'amour, bien aimé, c'est là où devient la problématique. Mais l'argent, comment nous devons prendre cela? Un enfant de Dieu, tout peuple de Dieu, nous devons prendre l'argent comme une nécessité. Une nécessité importante qui nous permet, bien aimé, à résoudre tant de choses qui demandent l'échange en argent. Quelqu'un comprend cela? Dans ce monde des échanges, il faut en vouloir avoir cet argent, il faut chercher à avoir ces billets pour répondre à cela. J'ai vu des églises se fermer, bien-aimés, parce que faute de difficultés financières. J'ai vu, bien-aimés, des personnes abandonner même les temples. Dans l'histoire, vous connaissez, bien-aimés, des... Qui? Des Zacharie. Bien-aimés, si nous rentrons dans la Bible,
Nous allons voir Ézéchiel plutôt. Nous allons voir dans beaucoup de choses, bien-aimés. Le roi Ézéchias, bien-aimé, a constaté dans son époque, même les prêtres, bien-aimé, les sacrificateurs ont abandonné les temples à cause quoi? Des difficultés. Oui, il est vrai que Philippiens chapitre 1 nous dit, mais bien-aimé, il faut savoir faire la part des choses que de généraliser tout le temps les choses. Ça, c'est la problématique de notre peuple aujourd'hui. Quand il y a un problème qu'il rencontre là, il généralise et il conclut et il dit que c'est comme ça. Il n'a plus besoin d'écouter ou aussi d'apprendre la vraie raison ou la vraie définition des choses. Philippiens chapitre 1, je n'en disconviens pas ce que vous pouvez me dire. Le verset 16, si je n'oublie pas. Non, verset 15. Philippiens chapitre 1, verset 15, bien-aimés, on peut lire ensemble. Dans le chapitre 1 du Philippiens, et le verset 15, la Bible dit ceci. Certains, il est vrai. Je reviens à vous pour ne pas tout vous dire que vous avez tort. On dit, certains, il est vrai, proclame Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres, ici on dit par jalousie, mais j'aime la version de Thompson qui dit quoi? Il est vrai, certains prêchent par envie. Certains prêchent par quoi? Envie. Oui, il y a des gens qui sont remplis d'envie. Quand quelqu'un est déjà rempli d'envie, et lui, quand il cherche à parler de l'argent, c'est parce qu'il a des envies. Dans ces envies-là, il y a l'amour. Mais il y a des gens, bien-aimés, quand ils parlent de l'argent, comme moi, je suis venu nous parler de l'argent, pour nous ouvrir un peu la pensée. Bien-aimés, la pauvreté ne se chasse pas par la prière simplement, mais par l'ouverture mentale. Vous devez savoir que ceux qui s'enrichissent dans ce monde, ce sont des personnes qui ont des ouvertures mentales. Ce ne sont pas des gens qui prient beaucoup pour avoir l'argent. Déjà dans notre milieu de la prière, on a du mal à nous enrichir parce que l'argent c'est du tabou. Là, vous comprenez, c'est du tabou, mais c'est du sacrilège. Comme je parle là, il y a des gens qui vont soutirer simplement des morceaux de ma prédication pour en faire des émissions, pour commencer à insulter et à généraliser que les pasteurs sont des voleurs, ils aiment l'argent. Or, ils ne savent pas que l'ère problématique de la pauvreté, même de nos pays et de notre continent, a été déjà préparée mentalement par des exploitants. Et ce sont des colons qui sont venus chez nous avec même le message de l'évangile. Et l'évangile que nous avons bien aimé n'est pas un faux évangile, c'est un vrai. Mais ces gens ont utilisé cela à leur gain, à leur intérêt, pour nous faire perdre. Ils ont tordu l'essence des Écritures. Ils ont coupé certains versets pour simplement nous retenir. Alors, il y a des gens qui continuent le travail des colonisateurs. Et dans nos églises, certains pasteurs ayant l'esprit entre guillemets de l'apparence de la piété. Mais qui réunit ce qui en fait la force de ce que nous sommes, bien-aimés. Nous devons prêcher la totalité. Hein, vous comprenez la totalité de l'évangile de Jésus-Christ. C'est très, très important, bien-aimés. On a bien dit, première raison, je fais sortir. La première raison, c'est il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible n'a pas dit que si tu es un riche, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Fausse interprétation. Et une mauvaise interprétation. Hein? C'est qu'être un accompagnateur, bien-aimé, être un collaborateur de Léopold II et de colons, bien-aimé, pour continuer le travail des colons, détruire le mental de quoi? Du peuple noir. La Bible n'a pas dit un riche ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est une fausse prédication, un faux enseignement. Il ne faut jamais suivre cela. La Bible a dit il est difficile. Ce qui est difficile, l'homme peut résoudre cela. La Bible n'a pas dit c'est impossible. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de souligner ici? Si vous suivez ces documents de Léopold II, vous allez voir que l'introduction, les racines de l'évangile qu'on a
qu'on nous a transmis a été déjà des racines, bien aimé, quoi, de la pauvreté inculquée et calquée dans nos mentales. Pour que nous n'évoluions pas, pour que nous ayons, bien aimé, nous ayons peur de la richesse et pour qu'on demeure, quoi, dominé par ces dominateurs. On est dominé. Le continent d'Afrique, bien aimé, ne peut que se développer si on commence d'abord à développer notre manière de voir des choses. Et même dans nos églises. Et le devoir de nous, les pasteurs, on devait ouvrir l'esprit qui était emprisonné. Nous faisons simplement les délivrances, les gens tombent, et on fait sortir des crapauds, on fait sortir, on promet aux gens la prospérité. Nous le promettons par rapport à quoi? Pendant que ces gens sont déjà malades, et nous-mêmes on le montre que non, il ne faut pas aimer l'argent. L'argent c'est diabolique. L'argent n'est pas diabolique. Si l'argent était diabolique, moi je suis le pas de Christ. C'est que Christ n'allait pas avoir une caisse, n'allait pas utiliser l'argent pour s'acheter à manger et envoyer des disciples l'utiliser. Et si c'était diabolique, c'est que c'est lui-même qui nous a appris à utiliser les diables en place. Parce qu'il envoyait ses apôtres le faire. Deuxième raison que j'ai donnée, la Bible dit l'amour de l'argent est les racines de tout le mot. En s'y livrant à cela, certains se sont éloignés de la foi. En s'y livrant de cela. En s'y livrant de quoi? Est-ce que de l'argent? Non. Mauvaise interprétation, mauvaise compréhension, un faux enseignement et qui a été donné. C'est ainsi que quand on parle de l'argent, ceux qui ont mal compris ce qu'il dit, Moïse, qui t'a dit Moïse? Est-ce que tout le monde qui parle de l'argent, c'est un voleur? Comment on peut admettre à suivre des documentaires, de voir des millionnaires pauvres, païens qui parlent de l'argent et on se vante, il se type là, il est peignard. Vous avez vu Bill Gates, aïe, 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 oh non, 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 vous avez connu, oh non, 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 les Rothschild, oh, ces gens ont beaucoup de. Mais, bien aimé, un chrétien qui valorise cela. La Bible dit la richesse d'un païen, de païens. On n'a pas à s'intéresser à cela. Et vous dites l'or et l'argent nous appartiennent. Mais comment ça peut nous appartenir pendant que dans notre mental, vous ne savez pas que la pensée c'est toi. Tu es ce que tu penses et tu deviens ce que tu penses. Bien aimé, ta pensée te précède et ton corps va rejoindre cela. Et si ta pensée voit toujours que ça c'est mauvais, l'argent est mauvais, là, c'est pour ça, il ne faut pas qu'on parle. Bien aimé, tu n'arriveras pas. C'est ainsi que dans nos églises, bien aimé, nous ne pouvons pas nous en sortir de nos difficultés financières. On peut tant prêcher, même les chrétiens qu'on prêche, bien aimé, quand tu le parles, vous serez bien aimé, quand tu le parles de l'argent, l'air vous change. Il y a déjà un blocage de la pauvreté dans les mentales des gens. Nous devons enseigner les gens, bien aimé, car la parole veut libérer. Bien aimé, la connaissance sauve, la connaissance libère. Je vais nous amener à un dernier chapitre d'aujourd'hui, bien-aimé, à en savoir. Vous voyez que la lettre, je dis, nous allons avoir 2 à 3 séances sur cela. On parlera aussi, est-ce que l'argent apporte tout? Est-ce que l'argent répond à tout? Est-ce que l'argent peut apporter le bonheur? Est-ce que l'argent a des choses à résoudre? Est-ce qu'il résout tout ou pas? Écoutez, lisons d'abord le livre de Ecclésiaste, chapitre 10. Chapitre 10. Nous allons prendre le verset 19. Et c'est notre dernier chapitre aujourd'hui, parce que comme on reviendra, pasteur, donnez-nous 5 minutes pour qu'on clôture l'introduction d'aujourd'hui. J'ai dit, chapitre 10 du livre d'Ecclésiaste, et le verset, c'est le verset 19. Écoutez. On prépare des repas pour s'amuser. Écoutez. Le vin rend la vie joyeuse. C'est pas ça notre problème. Mais notre problème, c'est la dernière partie. Il dit, et l'argent a réponse à tout. Écoutez. Le sage Salomon, Coëlette, qui était fort riche, a voulu partager son expérience et son vécu à nous tous. Il dit, vous devez savoir qu'on prépare les repas pour s'amuser. Et quand on veut se rencontrer, comme aujourd'hui, beaucoup de familles se rencontrent tout autour d'un repas aussi. Il dit, le vin rend la vie joyeuse. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand elles sont soucieuses, elles préfèrent prendre du vin, prendre de l'alcool, et pour essayer d'oublier beaucoup de choses. Nous ne sommes pas là. Et maintenant, il dit à la fin, et l'argent a réponse à tout. Qu'est-ce qui pousse ces messieurs à dire l'argent a réponse à tout? Oui. Il a raison
Et on peut dire aussi, il n'a pas raison à d'autres choses. Voilà pourquoi on fera la suite à montrer ce que lui, il parlait sur l'argent a réponse à tout. Il disait l'argent a réponse à tout. Il n'a pas dit l'argent est diabolique, il faut vous en méfier. Non. Il a dit à réponse parce que, bien aimé, je vais m'acheter un appartement, il faut l'argent. Je vais épouser une femme, il faut l'argent, vous le savez. Prendre soin de ceux de ma famille, comme la Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, si j'oublie pas le verset 8, peut-être, qui dit que non, celui qui ne prend pas soin de ceux de sa famille, bien aimé, il est plus qu'un incroyant. Il est plus qu'un incroyant. 5 minutes, pasteur. Il est plus qu'un incroyant. Waouh. Vous savez, nous traversons les périodes de fêtes. Nous qui sommes ici, ceux qui sont africains, qui me suivent à part d'autres personnes, vous savez que on a des familles qui entendent de nous quelque chose. Tu ne dois pas dire à cette famille, « Oh, si vous êtes ressuscité avec Christ, fixez vos regards d'en haut, cherchez les réalités d'en haut, que de chercher les réalités d'en bas. » Ils doivent faire quoi? Ils doivent manger, ils doivent s'acheter même un petit jus, ils doivent traverser la journée comment? Et pourquoi toi-même, quand tu as faim, tu ne dis pas, « Oh, les choses d'en haut, mais tu as besoin qu'on t'achète une baguette, et on t'achète cela. » Et c'est toi qui dis l'argent est mauvais. L'argent est diabolique. La Bible n'a pas dit cela. Aujourd'hui, je vais vous donner deux raisons. Et quand c'est mal interprété, bien-aimé, on demeure toujours, on fait l'accompagnement, bien-aimé, de nos colonisateurs dans le pensée africain. C'est nous qui empêchons le développement d'Afrique. Les pasteurs, nous en sommes aussi responsables. Avec les discours. Pourtant, nous sommes en contact avec la population. Nous devons apprendre la population, bien-aimés. Nous voulons le développement en Afrique. Nous devons commencer à parler aussi de ces choses dans nous. Nous savons que l'argent rapporte. Le développement d'une nation demande aussi, bien-aimés, la puissance financière. Si vous n'avez pas la puissance financière, bien-aimés, vous resterez un peuple inutile. Savez-vous que les personnes comme Poutine, bien-aimés, Poutine a dans les 200 milliards comme ça, à peu près dans les 200 milliards pour lui seul. Il est puissant ce type, non simplement militairement parce qu'il est président, mais aussi l'argent. Et l'argent lui a donné la puissance aussi. Mais est-ce que vous pouvez comprendre cela? Les États-Unis est beaucoup respecté. C'est non parce que les États-Unis, c'est les États-Unis. C'est parce qu'aussi financièrement, c'est un État puissant. Regarde la Chine qui vient de se développer encore puissamment. Financièrement, bien aimé, ils nourrissent bien leur armée. Ils font en sorte que leur armée ait des éléments importants avec des milliards qui déboursent. Bien aimé, le développement de notre continent, le développement et aussi le pasteur que nous sommes, on a une entière responsabilité. Une entière responsabilité. Ouvrons d'abord ceux qui nous écoutent à le faire comprendre que non, Dieu n'a pas interdit, bien aimé, d'en profiter ici. Je voulais nous donner un dernier chapitre, mais je me retiens. On reviendra pas comme on reviendra. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais oui, je ne dis pas quoi. Mais durant le temps que tu traverses, le temps de voyage, quand on vient dans un pays étranger, on veut entrer dans ce pays, on demande la subsistance. Parce que oui, ce n'est pas ton pays, tu vas rentrer. Mais comment tu vas vivre? Il faut présenter une ressource, bien-aimé, qui pourrait te faire. Nous sommes des voyageurs sur la terre. La Bible a bien dit que vous êtes dans le monde, mais pas de ce monde. Et quand Christ est venu notre maître, allez-y dans les épîtres et évangiles des gens, bien-aimé. Le chapitre 17 et consort, lisez ça. Christ a dit que Père, pendant que j'étais avec eux, moi je les gardais. Mais maintenant moi je m'en vais à toi, je prie que tu les gardes. Ne les ôte pas du monde, garde eux. Mais si Christ savait que nous ne devons pas utiliser des choses, on ne doit pas rester ici. Il fallait qu'il dise, ôte ce peuple de la terre. Il a dit, garde-le. Bien-aimés, nous devons être là. Nous devons utiliser toutes ces choses. Car l'or et l'argent nous appartiennent. Bien-aimés, nous voulons voir les choses passer. L'église de Jésus, ouvrons notre pensée. Sortons de cette colonisation. Quittons ces discours qui a hanté nos pensées de Léopold II, qui continue à nous faire comprendre que non, nous, on doit demeurer inférieurs et pauvres. Et c'est ainsi que, bien aimé, ceux qui s'enrichissent commencent quoi à nous dominer. Et parce que vous avez compris, et ceux qui s'enrichissent, ceux qui ont l'esprit fort, et qui ont l'esprit fort par rapport aux autres, quand ils prennent quelque chose, ils mentent les autres. Bien aimé, notre faiblesse des ressources dans la vie
provient parce que on nous a voilé par des enseignements de fausseté. Et ceux qui se disent des docteurs de la parole aujourd'hui ne comprennent même pas ce qu'ils enseignent et ni ce qu'ils affirment, bien aimé, parce que tous nous ne prêchons pas pour un seul but. Que la lumière soit avec tout le monde et que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Qu'il vous bénisse abondamment. Bien aimé, malgré certains sont dans des familles pouffetées, mais cela ne m'a pas empêché de pouvoir prendre mon temps, parler aux ceux-là qui se sont donné la peine, malgré à côté, il y a la semoule, il y a un petit poisson à côté, mais ils ont dit quand même, l'oreille, on doit donner à écouter la parole du Seigneur. L'homme ne vivant pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De notre Dieu. C'était le Saint-Évangile. L'évangile qu'on prend la banane, on ne mange pas avec sa peau. On enlève la peau pour qu'on mange ce qui est dit dedans. C'est l'évangile bien-aimé qu'on vient briser les cacahuètes pour faire sortir. On enlève quoi? Les coquilles des cacahuètes pour manger les grains qui sont à l'intérieur. Bien-aimé, on ne mange pas une cacahuète avec sa coquille. Et attention à l'estomac et tu auras un problème. Tu manges tout, mais on n'a jamais enlevé la peau. Tu écoutes tout, fais attention. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans la semaine et bonne année à tout le monde, bien-aimé. Je crois que l'Éternel te donnera la possibilité de rentrer avec nous en 2018. Vois autrement les choses. Ta vie dépend de comment tu vois. Comment tu vois les choses, c'est ce qui définit qui tu seras demain. Que la lumière soit. Bye. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.